Alors, ça, c'est bon. Tac. Tac. Voilà. Et truck. Ça y est, j'allais dire studio, il veut plus. Voilà, normalement ce qu'il y a à l'écran, eh bien, c'est bon. N'hésitez pas à me dire s'il y a un truc qui cloche. Relax, fais du bien. Est-ce que vous êtes pour à ce que j'ouvre ma vocale Discord? Est-ce qu'il y en a qui seraient intéressés de papoter? Parce que ça, c'est le jeu idéal pour bavarder. Hein. L'heure de la relaxation est venue. Je suis fatigué, quoi. Ah oui, je devais livrer un chantier. C'est vrai que ma dernière mission, c'était ça. Ah ouais. Moi demain 17h30. Éventuellement, je sais pas si je serai dispo à bavarder demain après-midi, je sais pas. Mais je mémorise à Tunsen, si tu veux bavarder de tout et de rien. Mais j'ai aucune certitude sur mes disponibilités en semaine du coup. Puisque j'attends la date de l'enterrement de mon cousin, qui est décédé de longue maladie. Oh, ça me fait bizarre de voir derrière la cabine de conduite. Oh la vache. Coucou. Ah mon dieu. Ah, je vais faire le mélange des deux, vous savez quoi? Je vais mettre et de la musique de fond et éventuellement ouvrir la vocale pour ceux qui veulent bavarder. Allez hop. Alors la musique, elle est là. Et la vocale, ce serait où? Ce serait là normalement. Direct Twitch. Pour ceux que ça intéresse. Voilà. Oui, pas pour l'instant pour toi. Oui, bon. Viendra qui voudra. Il n'y a pas de souci. Alors, il y a un Tibib, je sais pas quoi. Parce que bitumen, j'ai déjà fait, d'accord, mais. Oh, puis il faudrait que j'aille au dodo. Il n'y avait pas de. Sur la carte, il n'y avait pas de. Oui, il n'y avait pas d'hôtel. Ah, il faudrait que j'aille faire un. Il faudrait que j'aille au dodo, moi, dans mon histoire. Il faudrait que j'aille là-bas. Ah non, il me dit de passer par là. Bon, bah, je vais passer par là. Faut que j'aille au dodo dans le simulateur. Ça, j'en ai plus besoin normalement, je crois pas. Je crois pas que je joue au Nostromo ou au camion. J'espère qu'il n'y a personne. Je m'engage sans regarder. Le mec est fou. Ah, j'aurais. Oh, j'aurais l'occasion de me faire. Merde, j'en excès de vitesse. L'occasion de remplir le réservoir. Ah. Non, il doit faire ses montages. Généralement, le lundi, souviens-toi, tu es une scène. FunFan fait ses montages YouTube, vidéo. Donc il a besoin d'être dans son studio, si je puis dire, pour... Merde, j'ai même pas mis le clignotant. Oh là là. J'ai perdu les bonnes habitudes de conduite, moi, n'importe quoi. Vache, je suis impressionné par la patate du camion quand il n'y a pas de remorque à tracter. Ah vache, la violence. Voilà, on remet les clignotants. Comment ça, 68 km?
Attendez. 68 km. Le truc, il est en face, il se paye de ma tête. Il n'y a pas 68 bornes pour atteindre l'hôtel quand même. Excès de vitesse! Une petite pointe de vitesse. Ah, je suis à 135 km/h. 140, 145. Non, 150. 150 km/h. Le mec, il est fou. Ah. Ah, faut que je freine là, parce que c'est abusé. Bonjour Dragon Sky. Alors comment ça va en ce lundi 15 août? Ouais, c'est un rond-point, il n'y a personne dessus. Oh, camion de militaire. Hey! Hello, j'étais engagé sur le rond-point. Mais hey, c'est mal programmé ça. Ouais, tu vas bien, c'est cool. Ouais, je peux me piéter là. Ah bah, je fais ma pause ici. En profiter pour refaire un plein d'essence. Donc 22h30. Oula, 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 oula. Voilà, comme ça je serai prêt, j'aurai le quota de sommeil, j'aurai fait le plein d'essence. Allez, je suis prêt pour de nouvelles aventures. Voilà, où est-ce que je pourrais trouver une mission ? Je sais pas quoi. Ouais, costume mining, je sais pas. Allez, go, je vais aller vers là-bas. 165 km, oh la vache. Pas de voiture, non.
Ouais, il y a de l'éclairage urbain, donc faut que j'arrête de faire mumuse avec les feux de route. Merde, précisement de chaussée. Mais j'ai repensé à Tixi, je l'ai tout à l'heure dans ma tête, et je me dis, j'espère que son expérience Japon, cette fois-ci, va bien se passer. Normalement, oui. J'ai presque envie de dire que le pire qui pourrait lui arriver par rapport à bosser au Japon, c'est qu'il y ait encore une catastrophe sanitaire. Mais en dehors de ça... Non, je pense pas. Je pense pas qu'au Japon, c'est pas la même mentalité. Non, par contre, ce que je me disais pour Tixige au Japon, ce que j'aurais peut-être dû lui dire hier, et ça m'a pas traversé l'esprit à ce moment-là, c'est que il faut absolument qu'il s'inscrive à un stage d'entraînement par rapport au tremblement de terre. C'est super important au Japon. Tu peux t'inscrire dans des stages, avec un peu de chance, il en trouvera des gratos. Surtout s'il arrive à démontrer qu'il est étranger. En cas de séisme, qu'il ait les bons réflexes d'avoir un oreiller au-dessus de lui et de se mettre sous une table ou sous un meuble dont il est certain que ça lui fera un peu une coque de protection. En fait, il y a des pièces qui sont pour une dizaine de personnes qui sont montées sur vérin hydraulique, un peu comme un système de manège en fait, mais c'est pour vous apprendre à vous habituer au tremblement de terre au Japon. Et à avoir les bons réflexes et de ne pas se laisser perturber. Les Japonais, eux, voilà, c'est habituel pour eux, ils paniquent pas. Ils savent ce qu'il faut faire et puis basta. Alors que nous, c'est pas dans nos habitudes et on flippe. Et il n'y a pas besoin. Donc, si par heureux hasard il y a Tixige qui se manifeste sur mon antenne ou si l'un d'entre vous recroise Tixige en communication, n'hésitez pas à lui suggérer le fait, mais c'est vraiment important, hein, le fait de faire un stage. Appréhension des tremblements de terre, des séismes. Alors, j'ai remis les feux de route là, il n'y a plus personne et il n'y a que Chic. C'est le désert ici. Là, je suis largement en excès de vitesse. Ah, j'ai un peu trop appuyé sur le champignon. Ouais, à partir du week-end prochain, en espérant que j'ai mon week-end complet,
pour diffuser sur Twitch samedi dimanche. Normalement, il y aura le retour de The Escapist, l'évasion de prison et Hérétique. Que je reprenne les bons vieux FPS. Et évidemment aussi, alors là, il faudra que je retrouve de quoi pouvoir recapter les consoles. Final Fantasy, le dimanche matin. Le week-end prochain, on retrouve nos bonnes vieilles habitudes. Pour moi, c'est quasiment la fin des vacances, là. Mais ça aurait été fort agréable. Ouais, je me mets sur le côté. Ah oui, il y a un peu de vie ici. Allez. Qui que quoi? Elle n'est pas apparue dans ton historique, mais je t'ai mis une nouvelle citation. Ah oui, merci. Ouais, c'est bien. Bien joué. Il faut savoir viser droit là, je sais plus quoi. Si tout à l'heure quand j'étais en galère avec la gaine d'aération ouais, dans les labos. Ah ouais! Des emballages, la vache, le trajet est long. Hey, on va se retrouver au bord de l'océan Pacifique. Sympa, Santa Cruz. Sympa la destination. La vache. L'aire de chargement. Attends. Je passe par là-bas, c'est ça? Oh merde, elle est là-bas et en fait il y a des. Oh putain. À cause de. Oh là là. Et merde. Il n'y aurait pas eu leur plot, j'aurais pu passer à côté de la remorque pour la. Bref. Je suis plus à ça près. Bien joué, fan, bien joué. T'es un chef, merci. Non, je vais faire une arrivée en marche arrière là, parce que. Et on va dire que la 111e citation te sera offerte.
Like a professional. Comme un professionnel. Vache, la remorque elle est longue. Faut que je me méfie. C'est pas, ouais, c'est pas de la remorque moyenne là, c'est vraiment de la remorque longue. Popolopopo. Attends, je sors par là moi ou pas? Attends. Allez, voir que j'admire le camion de tout son long. Bah, je vois rien, y a pas de lumière. Accident. Ah merde! Oh non, j'ai. Parking de chiottes. Ah merde, j'ai pas pris la bonne intersection. Vous êtes nuls, vous êtes chiants. Aïe 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 aïe. Oh, puis il y a une bagnole qui arrive en face. Je trichote, je fais un plein de. Je suis à plein d'essence comme un gros vilain. Voilà. Prends-tu hop. Voilà, au moins. Je suis prêt avec le camion, c'est plein. Ah, 1300 bornes. Mon record, je crois que c'est 1600 bornes dans ce simulateur. Merde, ma caméra est mal placée au niveau de la. De ce que je mate. Voilà, là, vous avez la vue idéale. Merde, c'était vert, j'ai pas réagi. C'est pas grave. Bien fait pour ma tronche. Dans des minutes. Il y a un petit truc qui me dérange. Voilà. Excusez-moi. Mais attends, il m'a gardé le. Ah non, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il y avait un bug au niveau du GPS, mais non. Heures déjà. Bah, je verrai à partir de 19h s'il y a, on va dire, 7-8 spectateurs, éventuellement faire les bibis. Sinon, je peux pas dire que j'enchaîne jusqu'à épuisement le simulateur, mais presque. J'irai facilement, je pense, jusqu'à 21h. Je pousserai peut-être encore un peu tant que j'aurai pas faim. Bon, il y a quelqu'un devant moi, je vais pas mettre les feux de route. Ah, c'est plus dur de tracter là. Ouh, ça va moins vite. Ah oui, ça serait stressé à nouveau, ouais. Effectivement. Ah, je pensais que c'était une bagnole, mais non, c'est un camion comme moi. Ou alors, peut-être qu'à 19h, j'improviserai un jeu que j'ai pas prévu, je sais pas, on verra. On verra. C'est. Voilà, c'est. Ça va être spontané de ma part. Pour ma dernière grande jouée de jeu en votre compagnie. Je verrai, je ferai peut-être de l'improvisation totale.
Il y a une scène qu'il faudra que je recompose dans OBS, c'est Gartic Show. Quand on rejoue à Gartic Show, je dessine pour vous, vous êtes deviné. C'est vrai que je l'ai parfaite la scène-là. Ah bah, ça va être toujours le même cortège. Ouais, t'aimais bien une scène, ouais. C'était plus disputé que les tableaux mystères. Je suis d'un peu trop près, même si on est à courte, faible vitesse. Voilà, je laisse prendre un peu voilà, de distance. Ah ouais, les dessins, les chefs-d'œuvre de Fun Fan. Même en prenant des cours, ça s'améliore pas. Oh mon Dieu. Ah, il a la même route que moi. Décidément. Ah, c'est la relaxation, ça fait du bien. Pourquoi il freine? Et si c'est possible, j'essaie de me projeter dans les semaines et mois à venir par rapport à tout ce que je peux vous diffuser. Je dirais pas non que je parte à la découverte d'un Resident Evil que je connaisse pas. Comme par exemple le remake du 1. Ou que je fasse un révélation. Alors Fun Fan a fait des révélations, donc c'est peut-être pas très judicieux de les faire maintenant.
mais je les connais pas les révélations en soi. Code Veronica, je serais peut-être tenté éventuellement de le refaire, parce que ça fait très longtemps que je l'avais pas fait, je l'ai déjà quasiment oublié. Même si j'avais également vu Full Fan il n'y a pas si longtemps que ça le refaire. Non, je pense que si je devais refaire un Resident Evil avant Noël, ce serait découvrir, littéralement découvrir le remake du 1, quoi. Merde, il va falloir que je tourne. Il y a un train qui passe. Et bah. La vache, je peux traverser la voie ferrée avant de joindre l'autoroute. M'insère sur l'autoroute, y'a personne, y'a personne. Oh la merde, j'ai déjà sur le doigt. Ouah, de la dangerosité de regarder par la fenêtre. Oh la vache, j'aurais pu faire un strike. L'horreur. Allez, direction Phoenix, on a encore plus de 1000 bornes à faire. Alors si cette mission-là se fait principalement de nuit, j'ai bon espoir que la prochaine se passe principalement de jour. Ce qui sera évidemment beaucoup plus joyeux. Merdoum. Oula, je suis en train de mordre sur les Zeras. Voilà, je suis à 130 km/h, faut que je me calme. Oh, oh, oh. La première lueur de l'aube.
Il y a mes voisins qui sont en train de faire des manips. Là, je les entends taper dans les murs. Ça m'énerve. Enfin bon. Gare à la descente. J'ai astucieusement utilisé la pente pour réaliser mon dépassement. Là, franchement, c'était classe. Ça circule bien.
Là, je suis en excès de vitesse. Là, j'abuse parce que je rattrape les bagnoles des particuliers. C'est abusé. Alors que ma remorque est lourde, hein. Je dois avoir 20 tonnes dans le dos, là, normalement. Ah merde. Ouais, travaux. Vas-y, insère-toi, insère-toi, vas-y, passe.
Ah merde. Séance de pesée. Neuf tonnes, vache. Bibi. Ah, il se passe encore un truc devant. C'est ma voix qui va se... Ah, soupir. Oh, le bel avion. Los Angeles, ah ouais. Eh ben, moins qu'on puisse dire, c'est que ça bouchonne. Oh non, ne me dis pas qu'il faut aller sur Las Vegas.
Oh là 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 là, de 600 bornes, je passais à 956. Ouais! Énorme! Et en plus, mon perso commence à avoir envie de dormir. C'est énorme! Je me marre, je souris de ce qui est en train de se passer dans le chat. Je vais vous expliquer dans quelques minutes ceux qui regardent la vidéo sur YouTube en différé et qui n'ont pas la faux. Mais je dis rien pour l'instant. Là, je suis dans la direction opposée de celle que j'aurais dû prendre, c'est quand même énorme. Oh la vache, c'est vicieux. Je peux pas le dépasser. Parce que là, je le trouve un poil longuel, un poil moule qui est mon citerne. À mon avis, son chargement doit être plus lourd que le mien. Ah oui, il y a la fatigue.
Et bah, je me demande si, passé cette mission, je vais pas enchaîner sur du Minecraft. C'est bête, mais ça me ferait vachement plaisir. Tu m'étonnes que c'est bizarre. En fait, pour tout te dire, Dragon Sky, en fait, El Chitofun, c'est le compte secondaire de FunFan. Il l'a mis à jour, il a voulu changer de nom il y a quelques jours de ça, là, dans la semaine. Enfin, de la semaine passée, on est lundi. C'est d'autres que le compte secondaire de FunFan en fait. Alors quand je t'ai vu écrire Do you speak French, c'est amusant. Oh, je suis vilain, j'ai oublié le stop. Là, je suis encore à 700 bornes de mon. J'en ai au moins pour 3 quarts d'heure, 1 heure encore de route, mais. Mais après tout, pourquoi pas Minecraft? Minecraft, si je me sens pousser des ailes, je pousse même au-delà de 22 heures. Hein. C'est ma dernière journée de plaisir de diffusion. Ah ouais, j'avais les roues usées. À force de rouler, rouler, j'avais de l'usure. Allez, on va faire la suite de nuit ou en soirée, je pense. Oh, ça va être de nuit, à mon avis. Je ne... Oh, il y a la flotte. Je me miam une banane. Ah, la vache. Ah, que je me croque la banane. Ça va être mon goûtex. Non, ça va pas passer. La remorque ne va pas spécialement aimer. J'y vais tout doux parce que comme la remorque est vachement longue. Voilà, playa, pizza, vamos. L'école Nichon. Passer par la case station service serait pas inintéressant non plus. Non, la personne, je vais y aller. Comment ça, dégâts de la SMI? Oh! Je suis sorti trop violemment de Schmilblick. Je vais aller en face, non? Pour l'essence. Je vais me faire un petit plein d'essence et puis un petit demi-tour là.
Viva les vacias. Que passa? Tu fais honneur à tes origines espagnoles. Fan. Je pourrais sortir par là aussi, c'est vrai. C'est la sortie officielle. Enfin, j'espère. J'espère que je vais pas m'embarquer dans une galère avec la remorque. Ça a l'air d'aller pour le moment. Mais non, il n'y a personne. Là, je vois personne. De toute façon, je vois plus rien. Alors, vous avez... Allez, c'est le retour sur l'autoroute. Je sais pas si la pluie s'est calmée, j'en ai aucune idée. Voilà, c'est bien, ils m'ont laissé m'insérer. Ah non, il y a trop de pluie, il faut que j'accélère la cadence, la fréquence des essuie-glaces. Alchitofen, c'est mon cousin franco-espagnol. Il adore la série Un, deux, tres. Tiens, qu'est-ce qui devient Ricky Martin là? Avec son un, dos, tres, un salve Santa Maria, un, dos, tres, ace carabalera. Qu'est-ce qui est devenu ce garçon? Ah, je l'avais oublié, Ricky Martin. Ça te parle, Ricky Martin, fan? C'était un artiste chanteur qui a eu le vent en poupe le temps d'un été ou deux. Comme il y a eu l'époque de la Macarena ou de la Zubida, on va dire du groupe Alliage et des Tubi Free. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on a pu avoir comme tube de l'été? Là, je suis en excès de vitesse, faut que je me calme. Il prépare la suite, Quattrocentosies. Ouais, bien sûr, ouais, tu connais, ouais. Ah, ça, c'était sympa. J'aimais bien le titre. Bien vu, Dragon Sky.
pour les paroles de la chanson. Ah bah c'est bon, il y a moins de flotte. Par rapport à ce que je savoure, je repense à la sortie ridicule, la fin de Juste Prix avec Philippe Risoli, quand il avait voulu s'improviser chanteur. Et qui disait qu'il voulait égaler et qu'il admirait Georges Brassens. Avec son Undo Tres Cuitas. Non, c'était pas Undo Tres, oui. C'était Cuitas les bananas, découpées en dos les patatos. Oh mon dieu. Aïe. Je revois les hôtesses dans le jeu, le Juste Prix. Les pauvres mères de famille honnêtes qui devaient gagner leur croûte comme elles pouvaient. Et qui ont dû finir par apprendre une chorégraphie pour faire la promotion du titre de Philippe Risoli. Ce jour-là, je savais qu'on touchait le fond sur la première chaîne. Mais le problème, c'est qu'à gratter comme ça, plus bas que le plancher, on ne trouve pas de pétrole. C'est dommage. Oh là là, quelle époque. Et dire que j'aurais vécu ça, moi. Aïe. Alors ça doit se retrouver sur internet, il y a bien quelqu'un qui a osé immortaliser le titre de Philippe Risoli là. Quitas les bananas, découpé en dos les patatos. Oh mon dieu. Aïe. Ouais, les To Be Free. Oh, les To Be Free, encore, j'aimais bien. Mais les To Be Free, ça a pris une tournure vraiment sordide. Je sais plus si c'était le leader du groupe, le chef du groupe, qui, en fait, s'est complètement pris la grosse tête. Mais le gars, il est devenu fou. Et il était complètement absorbé par sa notoriété. Et ça s'est très mal fini pour lui quand les To Be Free ont dégénéré, en fait. Que le groupe était plus à la mode et puis qu'ils n'arrivaient plus à faire rentrer l'argent. J'avais entendu dire que le gars était devenu vraiment complètement barge. Il en était arrivé à se prostituer et à se tourner vers les films pornographiques en tant qu'acteur pour gagner sa croûte, quoi, pour en manger un morceau. Parce qu'il se l'était tellement. Il avait passé le temps à se prendre la tête, à se la péter. Et à péter plus haut que son derrière, comme on dit chez moi. Qu'il s'est mis à dos tout le monde. Et au final, bah, le malheureux a pas supporté. Et puis il a mis fin à ses jours. C'est d'un sinistre. Merde, j'ai failli me péter la bordure. J'étais en train de te dire dans le chat, j'ai failli me péter la bordure de sortie d'autoroute. Comme quoi, super dangereux de lire les SMS au volant. Alors, Dragon Sky nous rappelle que, mince, que je dois tourner. Non, il nous rappelait la biographie du groupe Les To Be Free. Un des premiers boys bands d'ailleurs qui est apparu en France. Enfin, si on accepte déjà la terminologie anglo-saxonne de boys band, de groupe de garçons. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, puisque dans l'histoire de la chanson française, il y a déjà eu des groupes de garçons. On a eu les Musclés, par exemple, pour ceux qui sont comme moi de la génération Club Dorothée. On avait eu avant, il y avait les Branquis Guignols, je crois, si je ne me plante pas. Il y en a eu d'autres que j'ai plus en tête, mais
C'était faussement une nouveauté. Bon, c'était relancer nouveau à la mode du côté. Merde, je passe trop vite dans le patelin. Outre-Atlantique. Bonjour Elgroga. Alors, pardon de commettre cet affront, mais pour dire que je ne joue pas au volant, je joue en fait à la manette. J'arrive à le piloter à la manette, le camion. Et c'est pas désagréable. Alors avant, figure-toi, Elgroga, que j'avais un Logitech G27 que je recommande à tout le monde. Si vous avez la chance de pouvoir investir dans un Logitech G27, c'est le pied. C'est le pied pour tout, pour l'arcade, pour la simulation, c'est extra. Oui, donc rapidement, pour lire Dragon Sky, les To Be Free est un groupe de pop français originaire de Longjumeau, dans l'Essonne. Il faut que je regarde où je vais, c'est pas facile de lire tout en étant dans une route de nuit. Il est l'un des premiers boys band français formés en 96 et composé de trois amis d'enfance originaires de Longjumeau. Philippe Snicolic, Adèle Cachermi et Frank Delay. Inspiré des boys band anglo-saxons, les Take That, World Apart, le groupe a produit trois albums studio ainsi que des compilations. Ils ont vendu 5 millions de disques. Merci pour la précision, Dragon Sky. Alors le G29, alors autant j'ai eu la chance d'avoir le G25, puis respectivement le G27, autant le G29, j'ai pas acquis. Bon, ah oui, merci, merci. Le mec, il me faisait des appels de phare, j'avais oublié que j'étais en feu de route. C'est bien, là-dessus, l'intelligence artificielle est très bien. J'avais zappé alors que j'avais le message sur le tableau de bord, pas bien. Excusez-moi, je savoure tout doucement une petite. Enfin, une petite. Non, une banane. Elle n'est pas dégueu. Merde. Voilà, faut pas dire banane et petit dans la même phrase. Mais non, mais non. Ouais, attention radar. Mais c'est vrai que parfois je suis dans le rouge au niveau du compteur de vitesse. Ouais. C'est pas bien. J'y ai conduit comme un sagouin. Pipi pidi pipi pidi bim. Voilà. J'ai eu un mauvais coup de pouce sur la manette, pas bien. C'est la banane, c'est la banane. Oh, les tenderloïdes. Ce sont ces buissons secs qui roulent au vent. Ça y est, je suis encore dans le rouge, je roule trop vite. Ah, c'était un vrai diffuseur, Monsieur Banane. Il a arrêté de diffuser. Eh ben. Il a plus la banane, comme dit Fanfan, c'est ça. Sniff.
Oh la vache, 400 bornes encore. Tu ne connais pas Monsieur Banane, c'est Kylian YouTube, je sais plus combien. Non, non, je connais pas. Là, pour le coup, j'ai pas la référence, là, sans déconner. Non, c'est une personne que je connais en vie réelle et que je surnomme Monsieur Balan. D'accord. Ok. Ah, il s'était déjà manifesté, ouais, une fois, oui, c'est vrai. Maintenant que FunFan me parle du Kylian YouTube, je sais plus quoi, ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Maintenant que tu me le dis. Bon, pardon. On finit par plus voir grand-chose là, il fait. Il fait sombre tout d'un coup. Ouais, le temps du carrefour. Je vais ressortir ma lampe pour éclairer ma tronche. Oh, comme ça, vous voyez ma tronche bien éclairée normalement. Oups. Excusez-moi, je démarre en retard. Là, je roule trop vite, faut que j'arrête d'accélérer alors que je suis en ville. C'est quoi lui? Mon cœur. Oh mon Dieu! J'avais vu, c'est un camion mon cœur! Ah! Kylian, il avait un projet, c'était de monter sa banane. Ah, de montrer sa banane. Oh mon Dieu. Attendez, là j'ai une manœuvre dangereuse et difficile. Pour faire monter son audience. Mais là, vu que c'est interdit, du coup, il a utilisé un machin qu'il a attaché avec deux petites bananes en dessous. Ah mon Dieu, je ne sais plus ce que je lis. Sorti de la ville, c'est bon, c'est reparti, ça s'est décongestionné.
Moi, il va falloir que je tourne. Non, j'ai pas besoin d'essence. Qu'est-ce qui me fait pas faire le GPS? Ah oui, entre les autoroutes, tu m'étonnes. C'est 5h du matin dans le simulateur, tu m'étonnes. Voilà, manque de bol, hein, mais alors la mission là, vachement longue, elle se sera quasiment passée que de nuit. Donc je sais pas quand je referai le simulateur, sûrement si j'ai le plaisir de me resynchroniser l'agenda avec Froboz Naïdonet. Et là, à mon avis, il y aura des missions de jour. C'est la première fois qu'il y a un GG pour un clip. Merci Fun Fan. Je ne réponds plus derrière. Ah ouais, je peux contourner le... Ok, j'ai pas allé à la pesée. Ah, ça fait plaisir. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé d'être exempté de pesée. Ah, un bar commun. Pas mal.
Là. Attention, je suis en train de sortir de ma voix. Quoi, c'est... Ah oui, dans à 19h, c'est l'heure du miam miam pour toi. Alors, je pense que d'ici une demi-heure, j'aurai basculé sur Minecraft. C'est bien, là, la grosse mission, là, de vroom vroom camion, là, elle m'aura fait beaucoup de bien. En relaxation, zénitude. Les lignes américaines. C'est original. Lui porte pas malheur, Fan. Parce que le coup de dans un nouvel part d'avoir des rats, c'est une horreur. Ah, lui porte pas la poisse. Ah, t'as craqué pour la collection Batman en jeu. Ah. Mais tu bétoques et pas intéresse que riguer des races dont tu te plains au propriétaire. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Bon, allez, je vais aller à Santa Maria, moi. Faut que j'aille à Santa Cruz. C'est ma destination finale, Santa Cruz. Santa Cruz. Il est dit oui. Oh, les chevaux! Trop bien! J'ai adoré là, le coup de la modélisation des chevaux, c'était trop bien! Ah! Tu me diras pourquoi j'ai le mal de vivre Santa Barbara, tu vas erra. Oh ah! Erra. Fin d'un épisode! Non, c'est horrible. Encore que j'ai envie de dire la tradition américaine. Oh non, c'est atroce. C'est vrai qu'il était... C'était des génériques qui étaient bien étudiés, les séries, là, à l'américaine. Tout ce qui est Feu de l'amour qui continue, d'ailleurs, je crois qu'ils en sont à... Je sais plus, tu nous l'avais dit dans le Sky précédemment, là, ils en sont à 18 000 épisodes, je sais plus quoi, ou 24 000. Bref, ça n'a plus de sens. Santa Barbara, il y avait quoi d'autre dans le même Dallas. Oh mon Dieu. Oh la vache. Aïe 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 aïe.
Shine ta crew. Ah, encore une petite portion d'autoroute. À force de mettre ma lumière dans la tronche, j'en ai les yeux qui s'assèchent normalement. Donc quand je fais la transition entre le camion et Minecraft, je vais m'accorder 2-3 minutes de pause histoire de me rafraîchir le visage en salle de bain. Puis j'ouvrirai chez moi là, histoire qu'il est 18h, maintenant je dois avoir de l'air frais dehors. Là je commence à avoir un œil qui me pique et j'ai envie de pleurer de l'œil. Ouch. Attends, j'attends que les grandes lacrymales génèrent un peu de flotte pour que je rince mon globe oculaire qui est en train de sécher. Ce qui est pas bon signe. Ah là là, le corps humain. Magnifique machine biologique. Petite défaillance et hop, voilà, un peu d'eau sur le globe oculaire. Alors, prochaine sortie. Je suis virtuellement à 20 bornes de mon point de chute. Ça y est. C'est la fin de cette grande mission. Message de FunFan 1992. Je finis par me dire que le jour où les feux de l'amour donc s'arrêter, ce sera la fin de l'humanité. Mais il y a eu les feux de l'amour. J'avais vu un. Il y avait eu un super anniversaire du genre, je sais plus, les 10 ans. Ou le 10 000e épisode traduit en France. Et l'équipe avait le droit de rendre un hommage. Il y avait un épisode spécial, d'un mini-épisode, je crois, d'une demi-heure, un truc comme ça. Où les acteurs avaient le droit de parler en roue libre, de dire ce qu'ils pensent de la France, qu'ils aiment et tout. Et c'était marrant d'entendre les voix originales des acteurs. Et leur dire, ah ouais, vous, j'adore le pain, j'adore les viennoiseries. Attends, faut vraiment que je me reste celui-là, parce que là, c'est bobo. Et il y a, je sais plus quel acteur américain qui avait tenté de chantonner la version française, il l'avait entendu avant, pour fêter le coup, et c'était rigolo. C'était vraiment rigolo. Ouais, la reine d'Angleterre sera cuit. Ouais. Voilà. Ah bah ça y est, tiens, en parlant de la reine Elisabeth II, elle est devenue le deuxième personnage historique couronné qui a régné le plus longtemps de toute l'humanité. Elle est la numéro 2, sachant que le numéro 1, c'était notre bon vieux roi Soleil. Si la reine Elisabeth II, là, elle est encore en place, elle arrive à vivre, à rester sur le trône encore 3 ans, 3 ans et demi. Normalement, si j'ai pas de bêtises, à l'horizon, même ouais, en 2025, elle va battre notre roi Soleil. Elle sera la tête couronnée la plus. Bah, celle qui aura régné de son vivant le plus longtemps possible dans son royaume de toute l'humanité. C'est énorme quand même. Je sais plus combien d'années, mais énorme. Oh là là, 50e saison. 12 415 épisodes au 28 juillet dernier. Merci Dragon Sky. C'est de la folie. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qu'il fait le bus? Farland, j'aime bien avec le logo du cheval à bascule. Je sais pas pourquoi il a freiné, il s'est arrêté le bus, j'ai pas compris. Bon, feu vert s'il vous plaît, j'en ai marre de poireauter sur ce carrefour. C'est pas comme si j'étais à quelques centaines de mètres de mon point de chute.
Je demande le feu vert, s'il vous plaît. J'en ai marre de poireauter à ce carrefour. Merci. Ah oh, mon Dieu. Ah, l'autre route, c'est la plage. Attendez, je vais rouler un petit peu avec la sans remorque. Et on va aller voir la plage quand même, parce que c'est quand même un centre d'intérêt. Juste pour voir comment ils ont modélisé la plage en Californie de l'océan Pacifique. Ah bah j'ai le droit de choisir un autre truc. Allez hop, bingo. Alors je sauvegarde. Ma camion. Je vais même sauvegarder deux fois, on sait jamais. Pour peu que j'ai une corruption de sauvegarde, c'est con, hein, mais ça a son importance. Ça peut jouer. Ah, vaut mieux plutôt deux fois qu'une, comme on dit. Alors attendez, on va regarder un peu le bord de plage. Et là, cette alerte à Malibu. Oh merde, je peux pas faire le tour. Qu'est-ce que tu joues dans les... Hein? Oh, il est en train de... Hein, de je sais pas... Hein, bon. Sur les... Les palettes. Voilà, cherchez le nom. Les bases en bois, ce sont des palettes. Oula, attention à la remorque que j'ai. 1300 km. Avec la remorque, c'était bien. Ça s'est bien passé. Alors attends, il n'y a personne. Il n'y a personne. Allez, gigot. Vas-y voir qu'on regarde un peu les plages de Californie. Attends, je lirai le pavé que tu m'as écrit, FunFan, juste après, excuse-moi. Admirons les plages de Californie. Ne me dis pas qu'il y a un incendie là-bas, là. Oh, c'est quoi ce panache de fumée? Il y en a qui font du deltaplane, ça va, tranquille. Oh la vache, les baraques! Oh là là! Waouh! De toute façon, les camions peuvent pas aller ailleurs. Bah si, lui, il va en face. Bon, ça va, tranquille. Wouah! Il y a un joli petit port. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur le bus? Vous êtes pas content, monsieur le bus? Je dérange peut-être, monsieur bus? Ah là là, cheval à bascule, va. C'est pas conduire. À part le mal. Ah, c'est à moi de tourner, youpi. Ébé. Ah, il y a San Francisco en face. Non, c'est un concessionnaire de camions en face. Je crois que c'est ça l'icône violacée. Oh là là. Alors, beaucoup de spécialistes disent que quand la reine d'Angleterre va décéder, le royaume, enfin la royauté n'aura pas d'autre choix que de se moderniser si elle ne veut pas disparaître. Le nouveau roi. T'aurais pu passer le policier, mais c'est gentil, merci. Le nouveau roi, ça doit être un roi et abandonner pas mal de privilèges pour se mettre un peu plus au niveau des citoyens. Ouais, ouais. Bah, le William, s'il est. Je pense qu'il aura. Il aura la fibre pour, potentiellement. Je pense qu'il fera pas trop de boulettes.
Hop là. Oh merde, bah tiens, je défonce la voiture de police en signe de protestation. Allez, ouais, c'est un concessionnaire. Ah! Vas-y, voir qu'on garde un peu le camion. On va se quitter là-dessus. Enfin, se quitter là-dessus. On pour le jeu, hein, sinon après je fais du Minecraft. Ah, la chanson Dragon Sky. La Californie, la Californie. La Californie s'embarque près de la mer et ne connaît pas l'été de la mer. La Californie est une frontière entre mer et terre, le désert et la vie. La Californie. Ah, ils ont qu'un seul modèle? Ah non. Ah non, attends, c'est des configurations. Ah, mon Dieu! Non, il y a un modèle qui me plaisait, c'était que je trouvais pas mal, c'était le Volvo. Bon, lui, il a de la gueule. Il est sûr qu'il passe dans les tunnels, celui-là? Ah vache, il y a un étage supérieur là. Oh, ces Américains. Oh, il a de la gueule, celui-là. Bien carré comme ça, il est. Il n'est pas bon de me déplaire, celui-là. Oh la vache! Avec les options, à mon avis, je me ruine. Disponibilité niveau 20, bah c'est mon niveau, non? Comment ça, tout voit? Oh, avec les phares. Ah, c'est mieux comme ça. Comment ça, offre d'origine? Hein? Niveau 24, niveau. Ah non, j'ai pas le niveau 20, merde. J'aurais pas pu l'acheter. Eh bien. Ouais, je sais pas, pour en regarder un. Hein. Attendez, il fait quoi? Ah, 475 chevaux. Alors, 600 chevaux, c'est mieux quand même. Enfin, je sais qu'on peut changer le moteur après, mais. Non, celui-là, en gabarit modeste, mais qui a un peu de la tronche. Mais on peut pas le. Voilà, personnaliser la configuration. Voilà, on peut personnaliser. Julien Clerc, ok, merci Dragon Sky, la chanson. Si, on peut personnaliser un peu. Alors, déclin, comme ça fait quoi comme ça? Ah, en allongé, ouais, en allongé, c'est pas mal. On va regarder juste un exemple pour s'amuser. Mais je pense pas que je validerai l'achat. Message de FunFan 1992. Louis XIV ne détient pas le plus long règne en Europe, n'est que 8e. Malgré ses 72 ans de règne, le plus long règne est détenu par Bernard VII de l'ancienne principauté allemande, principauté de Lippe. Son règne a commencé le 11 août 1429 et s'est terminé le 2 avril 1511, soit 81 ans, 7 mois et 22 jours. Ah ouais, alors sur France Télévisions, au Jubilé de la Reine, ils ont raconté des grosses âneries. Parce que j'avais ça en tête, moi, du coup. Mais tu fais bien de rectifier. Merci, FunFan. Ou alors, humblement, j'ai rien capté. Ah bah voilà, 600 chevaux. 600 chevaux, ouais. 600 chevaux, ça m'intéresse. Bah, on voit les paramètres en haut à... En haut à droite. Bah oui, là, forcément. Ah oui, il est plus costaud avec 600 chevaux. Tu remarques que son règne a commencé le 11 août. Si je fais une. Oh la vache! Marchandise exceptionnelle, il pourrait. Et celui-là? Ah, mais j'ai une meilleure manœuvrabilité avec 18 vitesses. Non, elle a l'air d'être pas mal la boîte de vitesse là. Ah, l'intérieur. Oh, mais hé! Vous vous souvenez de ce camion? C'est celui de la mission improvisée avec Frobose et Nonette. C'était le truc, je disais, mais l'intérieur est dégueulasse, on dirait une épave russe. Oh merde! C'est celui-là, on l'a retrouvé!
C'est quoi qui change là? Ah, c'est l'intérieur, les couleurs. Si la reine veut être la première fois qu'elle tienne encore 10 ans, oh vache. Oh, bref, on lui souhaite le meilleur. Moi, j'ai rien contre la reine d'Angleterre. Pas mal. Capitonné là en fond cuir, pas mal en noir. Mais pourquoi on dirait un modèle russe? Pourquoi un tableau de bord comme ça? Oh mon Dieu. Ouais, divided. Oh. Oula. Eh B, couleur de l'Amérique. Disco vibes. Ah, il y a quelques autres décalcomanies à déverrouiller plus tard. Là, il y a les accessoires sur le camion, donc je sais plus, il y a voilà, oversize load. Il y a les gros pare-chocs, ouais. C'est pas mal, hein. Et j'ai pas de contenu additionnel, hein. Il en existe, hein. Surtout pour l'intérieur, les cabines mettent des trucs, des gobelets, des trucs qui pendouillent. Sheikh Frobose nous avait dit qu'il avait craqué pour acheter le truc. Peut-être que je le ferai un jour pour le délire, pour pas trop cher, à 2-3 euros le. Oh la vache. Ah, t'es pas obligé de respecter la symétrie. Hein. T'es pas obligé du tout. Hein. Oh la vache, là, les cornes. Emplacement de cornes. Ouais. Oh là 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 là, il y a de ces trucs-là, on peut mettre quoi? Standard quoi. Ah! Je me mets des oreilles. Ah! Je peux changer le réservoir. Je peux passer de 240 gallons à 300. Ah ouais, c'est plus confortable pour la route d'avoir un plus gros réservoir. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Juste pour voir, hein, c'est. À l'arrière, à mon avis, à l'arrière, ça va pas loin. Ah, c'est les cheminées. Ouais. Là, j'en aurais pour. Oh la vache! J'en aurais pour 207 000 dollars. Ouais, tout mon fric qui passerait quasiment. Mais je vais pas le prendre. C'est le modèle là qui est horrible selon moi au niveau tableau de bord. On dirait que c'est vraiment fait en à la russe. Bref, avec du recyclage, ça fait peur. T'as un petit bonjour de Christella de ma part. Ah bah merci. Ah pauvre Christella, va pas l'enquiquiner sur son direct, va. Bah là je reste sur mon antenne parce que c'est mon dernier jour à en profiter. On est un jour férié. Mais j'aurai plaisir à aller voir Christella les jours prochains. Et c'est gentil, merci. Oh, pardon. Eh ben, bon, bah on va se quitter sur cette image d'avoir testé le. Enfin, on va quitter le jeu sur cette image du test de personnalisation de camion de fou que je ne valide pas. Souhaitez-vous annuler, oui. C'était. Oui, je quitte la concession. Je quitte le jeu, on va faire du Minecraft. Ah, et pas moi où? Ah, Cryphonfat. Oh mon dieu, les camions en exhibition. Alors, quitter. Encore que rien ne m'interdit d'enregistrer sur le. Je regarde peut-être hors antenne les autres camions pour voir si, mais à mon avis, ça coûte trop de fric. Il faudra que j'attende encore de faire quelques missions pour avoir de la marge et être peinard. Alors, on va passer à du Minecraft. Bougez pas. Oui, j'allais dire pourquoi ma fenêtre ne revient pas.